Un boxeur? Ah ouais, un ancien boxeur. OK, fait que je me pognerai pas avec vous. Non, non. Dans le cadre de la campagne Merci à vous, on est allé voir les gens pour savoir ce qu'ils savaient de leur service public et ce qu'ils pensaient des gens qui y travaillent. Et d'après vous, combien il y a de gens qui travaillent dans les services publics? Eh boy! Oh, 1 million. Bon, un bon 30 000 passés. Je vois-tu proche? Vous êtes loin. 500 000. 500 000. Je vous nomme des métiers. OK. Et dites-moi ce que vous pensez que ces gens-là font comme tâche principale. Qu'est-ce que ça fait un appariteur? Je savais même pas que ce mot-là existait. Est-ce que c'est comme un figurant, un peu? L'arpentage, non? Ça fait des apparitions. Non, c'est une joke, là. Ça s'occupe de l'appareillage. C'est une excellente déduction. Quels appareils, je ne sais pas trop. Ça prépare les accessoires dans un laboratoire. Bing! C'est mon père, c'est appariteur. Ah, c'est vrai. On va se concentrer sur l'éducation. Les profs de cégep, ça enseigne combien d'heures de cours par semaine? Moi, je suis pas au cégep, fait que je ne sais pas encore. 25 heures. J'irais une bonne trentaine. Au moins 3 plages horaires de 3 heures. Ça doit être une dizaine. 20 heures. Entre les deux. Quinzaine d'heures. C'est exact. Oh! Oh! Vous gagnez le droit de faire yé. Yé! Ils ont des semaines de 40 heures quand même. Mm-hmm. C'est quelle autre tâche qu'un prof doit faire là-dedans? Préparer les plans de cours. Je sais qu'ils restent à leur bureau pour si des élèves ont des questions ou quoi que ce soit. Ouais. Mais peut-être s'ils ont des activités parascolaires. Ils s'occupent des étudiants en stage. Mon Dieu, c'est sûr qu'il doit avoir aussi des réunions. Puis il peut avoir des activités syndicales, on ne sait jamais aussi. Concentrer sur leurs élèves. C'est une job à temps plein, ça. Oui, il faut s'adapter aussi à tous les changements de notre système d'éducation. Faire les photocopies. Faire les photocopies, c'est la première fois qu'on l'a, puis ça, je sais que c'est important. N'en oubliez pas une grosse. Corriger. Ah, voilà. Oui, évidemment, il y a de la correction à faire. La correction. Combien d'heures vous pensez qu'il passe par semaine? Je mettrais genre 30 heures. Est-ce que c'est plus long quand il y a plus de fautes? Oui. Donc, je dirais 45 heures, 50, même plus, je suis sûre. Au moins 50 % du travail. Au moins le même temps que ça l'a pris pour montrer. Je pense que ça, c'est la meilleure date. Vous en avez des amis qui sont dans l'enseignement? Oui. Est-ce qu'ils sont pas toujours pognés en train de corriger? Pas mal, oui. Ouais. Alors, c'est l'occasion de dire un merci à vous, à tout ce monde-là qui travaille dans les services publics. Merci à Chantal. À Chantal, qui est l'éducatrice de Arthur, et à Isabelle, l'enseignante. C'est Catherine Nau, là, c'est mon prof de français de l'année passée. Là, puis elle m'a fait cheminer. Ouais. Oh, c'est bien dit. Merci à vous. Merci pour tous les efforts que vous mettez aussi. Merci à vous. Merci à vous.